bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et en plus pour vous parler d'une palette que j'attends depuis longtemps. Je suis allée chez Sephora il y a 2-3 jours, bah justement quand j'ai trouvé celle-ci, pour acheter le cadeau de ma meilleure amie et j'ai regardé, mais il n'y a rien. Mais c'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau en fait qui me tentait à part ça. Mais alors, à partir de la semaine prochaine, va y avoir un branle-bas de combat chez Sephora. Parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent, Urban Decay, donc la palette Moon Dust, les fonds de teint et tout, normalement. Les nouveautés Too Faced avec les matte-tête mat, la palette que je vais vous montrer là, et Niki Tutorial, ça devrait arriver, mais je sais pas quand. Il y a Anastasia qui arrive. Oui, ça y est, c'est bon, c'est sûr, c'était affiché en grand sur le Sephora des Champs, sur un écran. Et Fresh, ma marque préférée, dont je vous ai parlé avec les baumes à lèvres que je vous remets par là. Mais je vous ferai un petit article récapitulatif sur le blog cette semaine, ou peut-être que je l'ai fait hier ou avant-hier, pour vous redire tout ça, tout ce qui va arriver, etc., etc. Et donc là, si vous voulez, c'est le calme avant le raz-de-marée, quoi. Parce que voilà, et en plus, normalement, je suis en vacances à ce moment-là, donc en plus, vous allez craquer sans moi. Voilà, vous me raconterez, je serai pas là. Donc, je suis allée à Sephora aux Champs-Élysées et au détour d'un tiroir, voilà, parce que je voulais voir s'il y avait les melted de maths, en fait, en avance, et il n'y avait pas la demoiselle. Donc, en fait, j'ai ouvert le tiroir. J'ai trouvé la Totally Cute palette de chez Too Faced qui me tentait vraiment. Des palettes comme ça, sous cette forme-là, les petites, j'en ai une seule, mais qui a 10 ans que je garde en collection. C'était encore l'ancien packaging en carton, etc. C'est le vintage du make-up Too Faced. Et sinon, en grande, bah, en fait, j'ai que la Sweet Peach, que je vous avais présentée, etc. Bon, maintenant, tout le monde la connaît. Mais celle-là, elle me tentait trop. Déjà, pour le packaging qui est un peu... spécial, personnalisable, et il y a un fard en particulier dedans que j'adore, donc je vais vous montrer tout ça avec les swatchs, on va tout faire ensemble, et puis voilà, je vais vous en parler un peu. Donc bien sûr, je me suis maquillée avec, j'ai pris un des tutos de la palette, voilà. Donc vous avez le petit carton comme ça, et ensuite vous ouvrez, vous avez votre palette, qui est toute basique, il n'y a même pas le Totally Cute là, puisqu'en fait elle est vendue avec des planches de stickers, et donc moi j'ai pris donc le... stickers Totally Cute que j'ai posé là. Je vous ai fait les photos pour le blog, donc c'est pour ça, voilà, je voulais montrer, je voulais le faire à ce moment-là. Pour l'instant, j'ai mis que celui-là, et puis après, j'en mettrai peut-être d'autres. Donc, elle est trop mignonne. Elle est rose pâle, et les seules couleurs que vous avez, donc c'est juste dans le haut, enfin voilà, les lettres qui sont remplies en bleu ciel, bleu foncé et rouge. À l'arrière, vous avez une petite explication, voilà, de la palette, etc. Les poids et puis le fait que voilà, vous avez les stickers, etc. Mais donc vous pouvez vraiment en faire une palette comme vous voulez. Vous la laissez comme ça, vous pouvez mettre tous les autocollants, ne pas tous les mettre. Voilà, vous avez ce côté personnalisable qui est très sympa et qui moi m'a fait marrer entre guillemets parce que je trouve ça bien. Après, en toute simple, si vous voulez rien mettre dessus, elle est très jolie et voilà. C'est le packaging classique de ces palettes là, donc les palettes de 9 fards de Too Faced en métal maintenant. Je dis maintenant, j'ai l'impression d'être une vieille, puisque comme j'en ai jamais eu, mais je les connais quand même, parce que je les achète pas, que je les connais pas. Et à l'intérieur, vous ouvrez, donc vous avez les 9 fards et le petit livret explicatif avec tuto, voilà, qui se cale là, en fait, c'est pratique, et un petit miroir. Dans le petit livret, vous avez, hop hop hop, voilà, une petite explication de la palette, etc. Et vous avez toujours 3 looks, puisqu'en fait ces palettes-là, elles sont séparées en 3 looks, enfin 3 combinaisons. Voilà, vous les avez ici et vous avez le petit tuto ici. Donc à l'intérieur, c'est séparé en 3 lignes. Vous avez un fard plus grand, comme dans les Chocolate Bear, qui fait à peu près le double des autres, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Les petites font 0,9 g et les grandes font 6. Donc, 2 grammes. Donc elles font le double. Donc vous avez un premier look qui est là, qui s'appelle Ice Cream Cute. Ensuite vous avez le Lucky Girl et Totally Cute. Donc ça en fait, toutes leurs palettes comme ça en case là, enfin les petites, se présentent de cette façon là. Vous avez donc 9 fards avec 3 looks. Un fard plus gros qui est un petit peu le principal que vous allez utiliser le plus généralement, un nude.
en grand et 6 petits phares qui sont généralement plus colorés, ou en tous les cas c'est pas forcément les couleurs qu'on met le plus. Pour moi pas forcément, mais voilà, ils les ont pensées comme ça et elles sont vraiment pas mal ces palettes là. Ce que j'aime bien aussi donc c'est que à chaque thème vous avez donc son tuto si vous voulez faire quelque chose que vous n'avez pas forcément d'idée ou quoi quand vous débutez, je trouve ça pas mal parce que généralement c'est des tutos vraiment tout simples en fait. Franchement c'est vraiment tout simple. Là par exemple pour vous montrer j'ai fait le Lucky Girl puisque le fard qui m'a fait craquer c'est le Storm Cloud, voilà, qui me donnait le plus envie. Donc j'ai fait avec cette ligne là, voilà. Et donc j'ai exactement suivi le tuto qui donne là. Alors je l'ai fait très vite fait, donc j'ai pas réussi à avoir un résultat aussi intense que ça, et très honnêtement quand on suit le tuto ça rend quelque chose de très joli, il n'y a pas de problème, j'adore ce que ça donne etc, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à un résultat aussi flash que ça tout de suite, hein. Il y a quand même un peu de Photoshop etc derrière, et pas en allant rapidement comme ils font sur le tuto, mais c'est franchement pas mal et j'aime beaucoup leur petit tuto, ils l'ont toujours fait, c'est toujours en 3 étapes où vous utilisez à chaque fois un fard de chaque et c'est toujours super simple, donc je trouve ça vraiment bien. Ensuite les fards, bah pas de surprise, ils sont super pigmentés, super agréables. Les mats, donc vous avez 3 mats dans la palette, la ligne du haut là, Ice Cream Cute, les mats sont hyper doux, mais vraiment comme dans la Sweet Peach, je retrouve ce côté hyper doux que j'adore, etc. Et je suis super contente d'avoir craqué, donc elle arrive bientôt officiellement, vous pouvez demander, des fois elle vous les donne en avance, si vous demandez gentiment à quelqu'un chez Sephora, mais c'est pas, elles ont pas le droit normalement, donc c'est pas sûr qu'elle vous le fasse, mais je crois qu'elle va sortir en même temps que les Melted le 17. On va passer au swatch, donc je vous les ai pré-filmés, voilà, en vous faisant pour que vous voyez bien et que j'ai le temps de bien vous faire, etc. Mais je vais quand même vous les montrer, entre guillemets, en direct, sur mon doigt. Donc le premier, c'est un nude rosé blanc cassé, qui est mat, qui s'appelle Double Scoop, voilà. Le second, c'est un marron clair, un peu orangé, qui s'appelle Bunny Foufou. Voilà, ils sont super pigmentés, ils sont vraiment doux, les matières sont vraiment, enfin les matières de ces fards, elles sont complètement ouf. Le troisième, donc c'est le marron foncé qui a un petit peu des sous-tons rouges, qui est magnifique, qui s'appelle Chocolate Donut. Voilà, alors lui en creux de paupière ça va être magnifique. Je ne l'ai pas fait là, pourquoi? Parce que je voulais vraiment vous montrer ce que ça donnait les make-up Too Faced, donc j'ai fait ça, franchement ça m'a pris 3 minutes et 2 pinceaux. Mais si j'avais voulu pousser la chose, etc., j'aurais rajouté celui-ci en creux de paupière parce que c'est juste une merveille. Donc là, ça c'est pour la première ligne qui va plutôt faire des maquillages naturels. Les 3 sont mat. Donc voilà, si vous aimez pas les paillettes ou vous voulez pas trop de lumière, etc. Après, ça va voilà être plus pour des maquillages de tous les jours. Mais franchement, c'est des fards qui vont vous servir dans tout. Et pour tous les jours et pour toutes les occasions, vous pouvez vraiment foncer un peu plus sur le marron pour avoir un smoky, ou alors vraiment en mettre juste une pointe pour avoir juste un, par exemple un ratil ou quoi. Vous n'êtes vraiment pas obligé de les utiliser comme sur le tuto, mais vous pouvez, avec ces 3 fards là, c'est presque les 3 fards basiques à avoir, en particulier le beige et le marron foncé. Ces deux là, c'est vraiment des fards que tout le monde ou presque devrait avoir. Ensuite on passe à la deuxième ligne, donc Lucky Girl, qui là, je vais pas vous le cacher, c'est un peu ma ligne préférée. Déjà parce que le premier c'est un irisé, mais alors absolument sublime. Donc c'est un beige rosé irisé, un petit peu rose gold, qui s'appelle Shooting Star, qui est magnifique. Ils sont hyper pigmentés, etc. Ensuite vous avez donc le vert Clover. J'ai cru qu'ils allaient faire des chutes quand je vous ai fait les swatchs, mais en fait non, pas du tout. Donc le Clover, il est au centre de ma paupière, vraiment posé, et après j'ai mixé avec Storm Cloud, mais il est vraiment posé au centre, je pense que c'est lui que vous voyez le plus. C'est un vert un peu kaki, absolument magnifique, hyper lumineux, donc il éteint pas le regard et il est vraiment trop beau. Et en dernier, celui qui m'a officiellement fait craquer pour cette palette, non mais regardez-moi cette merveille, lui je vais même carrément vous l'étaler.
Il est trop beau, donc normalement vous devez le voir aussi en close-up, mais je suis absolument fan de ce fard. Donc c'est Storm Cloud, que là j'ai mis, en fait si vous voulez, j'ai mis dans le tuto, vous mettez le beige en haut, donc le premier, la Shooting Star, et vous mettez Clover au centre, et donc vous rejoignez avec Storm Cloud, voilà, intérieur, extérieur, et un petit peu au-dessus. J'ai fait comme ça, en l'appliquant comme ça, avec un pinceau estompeur, évidemment il est beaucoup plus léger. Donc il va moins se voir, vous voyez, si je prends un pinceau estompeur, il est quand même pigmenté, mais il est beaucoup plus léger, on voit pas bien ses reflets, etc. Donc c'est pas celui qui se voit le plus dans le make-up, je pense, j'ai fait les photos et tout pour le blog, je pense pas que ce soit celui qui se voit le plus, mais il est vraiment sublime, j'ai tellement hâte de vous faire quelque chose avec lui et le violet, ce que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc cette ligne-là, c'est vraiment ma ligne préférée, elle est absolument, enfin, elle est vraiment trop belle. Je pense que le vert va pas plaire à tout le monde parce que voilà, c'est du vert et même moi j'ai eu du mal à en porter pendant très longtemps. J'ai mis très longtemps à bien vouloir porter du vert, mais en fait il est vraiment hyper beau et appliqué en touche comme là par exemple au centre avec autre chose. Même si c'est lui qui ressort le plus, il se fond dans le truc et vraiment il est sublime. Après je pense qu'on peut faire quelque chose d'hyper hyper hyper joli avec en fait ces trois là, donc cette colonne là plus celui-ci. Je vais vous le faire parce que voilà, il faut que je vous fasse un make-up avec absolument. Mais voilà, je pense qu'avec ces trois là à réfléchir, on peut avoir quelque chose de super joli. Ensuite vous avez la dernière ligne donc, qui s'appelle Totally Cute, où là vous avez un premier fard qui s'appelle Unicorn et qui est un blanc un petit peu irisé. Alors pas autant que leur rouge à lèvres Unicorn Tears là que je vous présentais dans le Monday Zipstick de la crème justement de Too Faced, les rouges à lèvres Too Faced, mais il est quand même hyper lumineux et pareil un peu iridescent, rose violet quoi, pas bleu autant qu'Unicorn, mais quand même il est un peu comme ça, un peu versatile ce fard. Et franchement je l'adore, il est vraiment trop beau. Lui c'est pareil en coin interne ou alors sous le sourcil, il va être magnifique. Ensuite vous avez le I Love TF Faced, donc qui est le rose, qui m'a bizarrement, alors je sais pas si c'est parce que c'est le début ou quoi, mais il m'a pas déçu, mais je le trouve un peu plus sec que les autres. C'est à dire que les autres, alors bon les mat vous mettez vos doigts dedans, c'est du velours, mais les irisés c'est vraiment, ils sont presque crémeux vous voyez, et lui est un peu plus sec, ce qui fait que il a l'air un petit peu moins pigmenté comme ça. Alors là en insistant ça va, mais voilà en mettant qu'une fois, je sais pas, je trouve qu'il a l'air un petit peu moins pigmenté. Malgré tout ça reste un très très joli rose. Avoir utilisé humide, je vous en reparlerai, peut-être que ça ira mieux. Et donc le dernier de la ligne c'est Meo qui est là. Donc il y a un violet assez foncé, alors sur le doigt il fait bien violet. Une fois posé il fait presque un petit peu noir. Alors moi ça me dérange pas du tout parce que justement au milieu de toutes ces belles couleurs flash, ça fait un joli fard bien foncé qui là aussi peut servir, en fait c'est comme le chocolate donut pour un smoky et tout, il va être parfait. Alors, il est plus foncé en fait, une fois posé, je trouve, que le chocolate donuts. Mais voilà, ça fait deux fards foncés, un mat et un irisé, qui sont absolument, enfin, qui sont parfaits en fait. Les deux sont parfaits, que ce soit le violet ou le marron. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette palette? Franchement, j'ai pas... Elle est tellement bien, enfin, si vous aimez les couleurs, c'est-à-dire que si les couleurs ne vous conviennent pas... ça reste des fards Too Faced très bons, mais si vous aimez que nude par exemple, dirigez-vous plutôt vers la Natural Haze ou la Natural Matte selon ce que vous cherchez, ou même d'autres qui sont très bien, ou si c'est des couleurs vraiment trop flash pour vous, quand la Sweet Peach va revenir, parce que normalement elle devrait revenir, j'espère, voilà, dirigez-vous plutôt vers ça que vers ça. Si vous aimez les couleurs ou que vous en avez pas du tout et que vous vous dites ah ouais c'est vrai, parce que c'est quand même une palette de couleurs mais complète, voilà. Si vous n'avez que des nudes et que en ce moment vous avez envie de couleurs etc, c'est vrai que celle-ci est pas mal parce que vous allez pouvoir commencer doucement avec celui-ci ou celui-ci et après aller vers des trucs vraiment un peu plus flash. Mais si vous détestez le rose, le vert etc, ça va pas du tout être une palette pour vous, on est bien d'accord. Après il y a aussi la palette, si vous voulez choisir ou quoi, regardez peut-être parce qu'il y a aussi la palette de Niki Tutorials qui va sortir, donc Power of Makeup avec Too Faced.
Et dans les deux, enfin dans la palette Niki Tutorial, c'est aussi des couleurs, mais c'est très très pailleté, etc. Après, c'est un très beau coffret. Je vous le présenterai dès que je vais l'acheter. Mais c'est un très beau coffret et elle est vraiment parfaite, cette palette, avec plein de fards pailletés et tout. Donc peut-être qu'elle peut aussi plus vous convenir, etc. Franchement, regardez les deux. Les deux sont sortis sur le site de Too Faced aux États-Unis, donc vous pouvez voir les couleurs qui vous conviennent. Après, moi perso, je ne peux pas choisir, donc ça sera les deux. Mais celle-ci, si vous aimez les couleurs, elle est vraiment géniale. C'est des fards Too Faced, c'est hyper pigmenté, hyper doux. Je vous disais, les fards lumineux irisés sont presque crémeux. Les mats sont d'une douceur, mais enfin voilà, c'est hyper... c'est du velours, ouais, c'est vraiment ça. Elle est très complète, contrairement à... Parce que quand on la voit comme ça, c'est vrai que ce qui saute aux yeux, c'est le vert et le rose, et on a l'impression de voir que ça ou presque. Alors qu'en réalité, avec le marron, c'est beige, c'est trois beiges différents, etc. C'est quand même une palette complète, plus que ce qu'on pourrait penser comme ça au premier abord. Donc voilà, moi je voulais vous la présenter. Je sais qu'elle plaira pas à tout le monde, je vous connais, je sais qu'il y a des trucs un peu trop colorés comme ça. Je sais que ça vous plaît pas toujours. Mais voilà, et puis c'était aussi l'occasion de vous dire que bah, ça arrivait. Et quant à la Niki Tutorials, bah, dès que je l'ai, je vous ferai aussi cette petite vidéo, hein, la même, mais voilà. Et ça, je vais vous faire un maquillage avec, dans pas longtemps, avec Strum Cloud en guest. Voilà, je suis obligée parce qu'il est complètement ouf, ce fard. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous comptez craquer pour elle, ou si elle vous intéresse pas du tout à cause de ses couleurs, ou parce que vous avez trop de palettes, ou voilà, que sais-je. Moi, j'adore le petit concept des autocollants, il y en a que je vais mettre sur la palette, et vous me connaissez si vous me suivez. J'ai un peu 4 ans, donc il y en a que je vais garder pour mettre sur mon agenda. Voilà, je vous fais plein d'énormes gros bisous, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.